raconterai quelque chose. Les pyramides sont là dans la vie pour qu'on aille le symbole sous les yeux. Comme quoi on habite sur le dessus d'une chaîne pyramidale. C'est le vrai cas de le dire. Parce que c'est ça, les arbres poussent toujours sur la souche qui les a précédés, tu sais. Qu'elle soit rocher ou qu'elle soit encore de bois, de matière biologique, organique. Quand ça tombe en gestation, c'est des mâts gestés. C'est des cantons, cantés. Fait que comme exemple en Chine, c'est le chêne, ils habitent le chêne. Mais il y a la région cantonais, comme les cantons de l'Est, ben ça veut dire qu'on habite sur des cantons. C'est quoi des cantons? Ben c'est ça, des cantons. C'est la partie cantée, tombée. Ah. Fait que, ben, on s'en sort pas des chaînes pyramidales dans ce monde. C'est ça. Le fondement de la vie à la surface. La vie superficielle, en surface. Après, ben, on peut aller fouiller jusqu'à la racine, d'où on vient. Mais en surface, c'est pyramidal. C'est une chaîne pyramidale. Une chaîne, un chaîne. Druide. Les arbres sont drus. Puis à un moment donné, c'est des majestés. Tombe gestant, mais c'est pas mort. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Un lieu, ça crée. Ça crée la vie. Puis ça crée même des bâtisses. Puis ça crée nous, crée-moi ou pas. Il y a plein de beaux quartz ici. Tout est beau. En tout cas, ce que je viens de voir, là, les oiseaux qui sont venus tout m'entourer et chanter autour de moi, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Je sais qu'il y en a qui vont à des endroits marécageux comme le Marais du Nord à Québec, puis le Marais Saint-François ici, puis il y en a qui attirent les oiseaux en les nourrissant, là, mais je savais pas qu'ils allaient venir vers moi comme ça sans les nourrir. C'était magique un peu pour moi. C'est beau la vie.